Bonjour à tous, troisième jour du Festival de la Fiction à Saint-Tropez, toujours sur la terrasse du millésime, pardonnez-moi. Alors aujourd'hui nous recevons un acteur, un comédien, un vrai, j'ai envie de dire, un passionné à qui on n'en compte plus, Bernard Allaire. Bernard Allaire, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors première question pour nos internautes, qu'est-ce qui nous vaut votre présence à Saint-Tropez aujourd'hui? Eh bien je viens chaque année. Il faut dire que l'été, en général, je m'arrange pour être ici. Et j'en profite dès l'automne venu pour assister au festival parce que j'y rencontre des tas de gens. C'est l'occasion d'y voir des metteurs en scène, des producteurs, des comédiennes et des comédiens, et de voir ce qui se fait pour la saison. C'est toujours très intéressant. Donc je viens chaque année. Voilà. Et au niveau de votre actualité, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va commencer? Il y a quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui a commencé. Je viens de tourner un film avec un réalisateur que j'aime énormément, qui s'appelle Dominique Baron. Et je ne sais pas quand le film sortira. C'est un téléfilm. Et puis j'ai un projet. Là, il faut que je remonte à Paris justement parce que j'ai un projet pour autre chose. Dont, comme tous les comédiens, je ne parlerai pas parce que c'était pas encore fait, mais qui serait pour le courant du mois d'octobre. One Man Show? Pas pour l'instant. Un one man show me demande 3 ans de travail. J'ai comme une petite flemme. J'en ai fait pendant 30 ans. 8 ou 9. Je les donne à Paris, puis après je pars en tournée. Je pars en tournée dans toute la France, dans les pays francophones. Il m'arrive parfois de travailler à l'étranger aussi, en Allemagne, en Angleterre. Et puis, j'ai fait le gugus tout seul pendant 30 ans, alors de temps à autre, j'aime bien aussi jouer avec des camarades, je fais du théâtre. J'ai joué 3 pièces successivement et parti en tournée qui était formidable, c'était en Anouilh, une pièce de Schmitt et après en Volpone. Alors voilà, bon, j'en suis. Alors justement, c'est intéressant. Vous êtes la première personnalité que j'interviewe ces jours-ci qui a un véritable bagage de one-man show, qui a travaillé sur le tas, qui s'est fait quasiment tout seul. Et moi, j'aimerais pour nos internautes que vous disiez ce qui vous a poussé à cette carrière. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez dû faire des choix et que souvent vous avez fait des choix pour le one-man show. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à faire ça. Est-ce que c'est uniquement la passion? Au début, vous savez, j'ai donné mon premier spectacle seul, c'était en 1970, au Théâtre de la Michaudière à Paris, et ça n'existait pas, ce genre d'expression. Maintenant, c'est plus qu'en faire, il y en a des centaines. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Dans un théâtre, il y avait des variétés, on faisait un sketch, puis un autre sketch, puis un autre sketch. Bon, mais une sorte de spectacle, entre parenthèses, totale, avec une certaine théâtralité, un fil conducteur surtout, ça n'existait pas. Donc le premier, c'était soit l'échec, soit ça marchait, ce qui fut le cas. Je suis resté 13 mois d'affilée avec mon premier spectacle au Théâtre de la Michaudière, et je suis parti presque, je crois, à l'époque, 3 ans en tournée. Et puis j'ai été un peu piégé après parce qu'on m'a dit « Alors, t'en montes un second ?» J'ai dit « Tiens, je vais essayer d'en monter un second. » J'en ai monté un second, puis on tournait, voilà, etc. Et j'étais pris par le jeu. Mais à la base, c'était pas un choix. Et j'étais très jeune quand j'ai perdu tous mes cheveux. C'était très embêtant parce que je ne pouvais plus, au théâtre ou au cinéma, jouer des hommes de mon âge. J'étais chauve. Je ne pouvais pas jouer les hommes de 40 ans parce que je n'avais pas les rides nécessaires. Qu'est-ce qui me restait? J'ai été sauvé par le cabaret. Je faisais énormément de cabaret à cause de cela. On passait à l'époque d'un cabaret à l'autre. Vous savez, il y avait une cinquantaine de cabarets, rive gauche ou rive droite à Paris. Et il y avait des spectacles avec 5 ou 6 attractions. Et on passait d'un cabaret à l'autre. Si on en avait 2 dans la soirée, c'était formidable. On pouvait survivre. Et c'est comme ça que je survivais. Et puis pendant 13 ans au tout début, je travaillais, mais je travaillais comme ça un peu dans l'ombre. Je faisais des doublages, je faisais des romans photos, je faisais un peu tout ce qui se présentait. À l'époque, il n'y avait pas d'ACEDIC. Il n'y avait pas de sécurité sociale.
C'était impossible. C'était la démerde. C'est-à-dire que il fallait, si possible, ne pas tomber malade, avoir une solide santé psychique, physique, morale, pour tenir le coup. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi difficile le métier, d'autant plus que c'est un petit peu... Je suis d'une génération où, quand on devenait comédien, les gens vous regardaient d'un drôle d'œil dans les familles en disant « viens comédien ». Maintenant, les parents pousseraient les enfants à devenir comédien parce qu'ils n'ont de vision que les réussites sporadiques, parfois, de certains qui deviennent des stars. Pour combien de temps ? Tout est là. Mais c'est un peu le miroir aux alouettes. Alors, de plus en plus de jeunes sont, je dirais pas poussés par leurs parents, mais encouragés à essayer. Et donc, vous avez une pléthore de jeunes comédiennes et comédiens, et je crois que leur situation n'est pas... Justement, quel regard portez-vous sur ces jeunes comédiens qui... La télé aide beaucoup aussi, le miroir des alouettes est largement nourri aussi par oui, la télé. Et que nous n'avions pas, nous. Nous n'avions pas ça. Absolument. Et alors, quel regard portez-vous justement sur ce nouveau système qui consiste à devenir justement une star plutôt qu'un acteur ou un comédien quel regard portez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est louable malgré tout ? Est-ce que vous pensez que qu'il peut y avoir une passion malgré tout derrière ? J'espère qu'il n'y ait pas simplement une passion d'être une star. Je sais, c'est pas de moi ce mot, mais c'est très joli. C'est quelqu'un qui disait, ils sont stars maintenant, ils vont peut-être apprendre à devenir artistes. C'est ça le problème. Il n'y a pas de doute, ce métier se fait sur le tas. Ce métier se fait au contact du public, au contact des caméras. C'est de longue haleine, on apprend tous les jours. Moi encore, actuellement, j'apprends des tas de choses. Je regarde mes collègues et néanmoins amis, et j'apprends avec eux. C'est-à-dire que c'est jamais fini. Donc, les ouvertures sont beaucoup plus larges, mais tout le monde s'y précipite. Donc, c'est aussi difficile maintenant que du temps de mes débuts, je crois. Je crois que c'est très très dur. Parce que vous êtes à une époque Kleenex. Hein ? C'est business Kleenex. Donc, c'est pas facile. Et puis, il y a une chose, c'est une tendance, je crois, dans beaucoup de domaines. Nous, on avait une très grande attention à ce qu'avaient fait nos aînés, ce que faisaient nos aînés. C'est-à-dire qu'on avait une attention au passé. Une mémoire. Pardon ? Une mémoire. C'est ça. Et c'était dans le fond les bases sur lesquelles on construisait, nous, notre propre édifice. Mais c'était les aînés, c'était la leçon des aînés. Moi, j'ai été voir, je ne sais pas combien de fois, j'ai été voir des gens, des acteurs fabuleux, comme Jules Berry ou d'autres. Regardez au cinéma, le jeu de ces gens, comment ils s'expriment, comment ils travaillaient, c'était formidable. Et je crois que ça a disparu. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal ? Je ne peux pas vous le dire, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est un phénomène de notre temps. Mieux. Si on n'avait pas pris, ça fait rien. Il y en a d'autres. Il faut recommencer. C'est une longue lutte. C'est difficile. Puis si on est pris, se dire que rien n'est acquis et que tous les jours, on passe son bac. Mais jusqu'au bout. C'est ça. Rien n'est acquis. Donc en résumé, rien n'est jamais acquis, on n'est jamais arrivé, il faut travailler, la reconnaissance des pairs et essayer d'étonner. Voilà, avoir une bonne santé psychologique, physique, psychique, et se dire que pour partir dans cette... pour s'en aller dans un parcours comme ça, se dire que la liberté coûte très cher. Parce qu'on est libre, enfin apparemment. Libre d'accepter, de refuser, on est libre. La liberté existe toujours, il suffit d'en payer le prix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parfait, monsieur Allaire, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre amabilité. C'est moi, hein, quand même.